Salut. Nous allons attaquer en plein milieu des cours de Tim Rifat à sa vidéo numéro 5 sur les études du super soldat à propos des archétypes et de l'état du Grail, du Graal, qui traite de l'empreinte énergétique des choses. Et nous allons nous servir du livre de Colin Bloy qui s'appelle I'm just going down to the pub to do a few miracles. Je vais juste aller boire un coup au pub et faire quelques miracles. Bon, il n'a pas dit boire un coup, hein. Il allait au pub. Mais mon avis, c'était le genre à boire un coup en même temps. Qui est un livre qui est très très peu édité et que vous auriez de grandes chances si vous tombiez dessus. Le sous-titre de ce livre est Le chemin rationnel pour la guérison spirituelle. Et on va s'intéresser là donc plutôt au chapitre qui traite des archétypes. Et donc, qu'est-ce qu'un archétype, hein, bien sûr. Et au chapitre 16, qui traite des archétypes et des formes géométriques correspondantes aux essences des êtres. Et Gunther Reismuth, un contemporain de Schneider, de Steiner, pardon, a écrit donc un texte difficile à comprendre au début à propos de formes éthériques, des forces, dans la nature cosmique de l'homme. Il dit que ces formes sont géométriques, qui sont cruciales pour ce qu'il en est de l'être humain. On pourrait donc situer ces archétypes ici, donc ils se situent par rapport à un schéma d'un cercle partagé d'un repère orthonormé, on appelait ça en maths à l'époque. Et donc il se met au point d'abscisse et coordonnées 0, moins 1, donc 0 en altitude et moins 1 à l'horizontale. Cet endroit qu'il va appeler l'espace C, où se situer en symétrique verticale, donc au point 0 plus 1, dans un espace qu'il va appeler l'espace de l'enfer, Hell Space, qu'il note là par un H, ou à l'endroit qui sera à moins 1, moins 1, et qu'il va appeler l'endroit astral, ou pour les physiciens, l'espace correspondant au temps. Enfin, l'espace qui ressemble au temps, time-like space. Il faut savoir que nous avons deux corps énergétiques dans l'homme, ce qu'il est en train de dessiner là tout de suite, en dessous. Un corps qui est semblable à l'espace, ou en corrélation avec la notion d'espace, et qui est dérivé, si on peut dire, de la particule de Higgs. Et on a un espace relié au temps qui détient le point d'assemblage, une notion essentielle, le point d'assemblage, qui, ce point d'assemblage est en relation avec le boson de Higgs, et qui est formé de vecteurs lumineux. Parmi les quatre vecteurs qu'il a dessinés ici, là, sous ma flèche, dont il a schématisé l'existence, et que l'on pourrait comparer au domaine éthérique, qu'il va donc rajouter sur le schéma premier au point moins 1, moins 1, avec l'astral et l'espace qui est comparable au temps. Il ne faut pas oublier qu'on aura différents noms pour différentes composantes de ce domaine, différentes fréquences de ce corps, que globalement on appellera donc l'âme, soul, et dont les Russes ont réussi à tirer des images grâce à l'effet Kirlian, qu'ils appelaient quelque part le fluide de l'âme, en faisant des études sur une cellule et son noyau. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il y a un phénomène dont il faudra se rappeler.
Bien parce que le nucléus, le noyau au centre de la cellule, c'est comme l'état au centre de l'état. C'est une force qui va se retrouver multipliée par elle-même au niveau de, est-ce que je peux dire, l'intention. C'est-à-dire que c'est un espace libre au centre d'un espace libre, et donc on peut le multiplier par lui-même. Ce que là, dans la démarche, on appellera I to the I, donc I au carré. Donc en fait, pour tous ceux qui ont fait de la géométrie mathématique, nous sommes ici dans le domaine des nombres complexes, il me semble. Et si vous vous rappelez, I au carré peut être égal à moins 1. Et I au carré, c'est en fait cette position de moins 1 par moins 1 sur le repère orthonormé. C'est-à-dire que c'est une situation qui n'existerait peut-être pas dans le réel, mais dont on peut expliquer une valeur dans le monde imaginaire, I, pour les nombres imaginaires. Ils sont imaginaires parce que d'habitude, le postulat disait qu'on ne pouvait pas avoir de nombres carrés qui soient négatifs, évidemment. Or là, on en a un dont on arrive à trouver la position. Il est réellement physiquement dessinable à la situation moins 1 dans un repère orthonormé. Donc, il est vraiment négatif par toute sa matrice personnelle. Donc, les Russes ont appelé cette énergie en rapport avec l'espace le bioplasme, et qui est donc vérifiable par l'effet Kirlian. Et pour en savoir plus à ce niveau, il faut lire le livre qui s'intitule « Les découvertes psychiques par les découvertes psychiques derrière le rideau par quelqu'un qui pourrait s'appeler Sheldrake. Je ne suis pas sûr que ce soit Rupert Sheldrake, mais on ne sait jamais, peut-être que oui. C'est bien le domaine, il va en reparler de lui. Et donc là, on s'intéresse à un archétype qui peut autant être tout à fait à gauche du schéma qu'à droite du schéma, donc soit dans le C, l'espace C, soit dans l'espace H, L, ou bien même en bas, dans l'espace éthérique astral, l'espace semblable au temps. Et donc, si on a l'archétype, on peut par la suite faire des choses dans le monde réel, qui est donc la position 1, enfin 0, 1, non, plutôt 1, 0 ce coup-ci, où toutes les positions qui seront plus ou moins dans le domaine positif de notre repère, autour du cercle premier. Le dit cercle représentant l'homme, en fait. Donc, on peut passer du point qu'on va appeler 0, moins 1. Donc, il est à l'horizontale à moins 1. On peut passer de ce point-là au point supérieur, qui sera donc 1, 0, par la méthode de I par lui-même, I au carré. Ou du point H, on va dire, jusque la représentation donc, qui est en plein réel, mais au 1 et 0 à l'horizontale. Donc, il est sur l'axe vertical. Il est ici. C'est ce qui correspond à ce qu'on désigne comme étant notre corps et notre intention aujourd'hui, maintenant, là. Donc, soit on passe de, on va dire, moins quart, de moins quart à midi en faisant I par lui-même, soit on passe de écart en retour vers midi en faisant moins I par lui-même, moins I carré. Donc, quand on monte de moins quart vers midi, ça additionne de l'énergie, et lorsqu'on passe de écart et qu'on retourne en arrière vers midi, c'est en arrière, façon de décrire la chose. Ça prend la même énergie. Parce que si ça l'enlève au lieu de l'additionner tout à l'heure. Et donc, ça prend de l'énergie du monde réel. Et maintenant, si on considère l'âme, donc au point qui est à moins 1, 0,
Donc, il est sur la verticale, mais en négatif, en bas. Il ne faut pas oublier que donc l'âme est liée au corps physique. On peut se servir de l'âme pour mettre en balance le corps physique. Et ainsi, la mort apparaît par opération lors des guerres psychiques et vient toucher l'âme. Et donc, dans cette guerre psychique ou cette guerre de culte qui tourne autour de l'âme, le résultat va finir par affecter le point d'assemblage, qui est ce point qu'il a dessiné en noir là, dans ce cercle-ci, qui concerne ce cercle-ci, la partie temporelle du corps humain, de l'entité humaine plutôt, de l'entité humaine. Et de travailler sur ce point d'assemblage affecte la réalité de la personne concernée, on va dire la victime. Il faut que vous sachiez que Tim Rifat ne peut pas entendre. Il a fait allégeance a priori, ou en tout cas il le considère comme son grand maître à Lucifer. Qui, d'une certaine manière, là est considéré a priori comme le maître de la 3D, mais aussi une puissance au niveau des influences qu'on pourrait avoir sur la 3D par le travail sur toutes ces sphères subtiles dont on vient de vous schématiser la réalité. Donc, ce travail sur le point d'assemblage va influencer directement l'expérience de la personne dans la réalité. Et ça va changer leur réalité pour le meilleur ou pour le pire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette vidéo est audacieuse et que je ne vais pas l'expliquer outre mesure à ceux qui n'ont pas le niveau de compréhension. Parce que s'ils n'ont pas ce niveau de compréhension, ils n'ont pas non plus l'introspection nécessaire pour pouvoir pénétrer ces domaines. Et non seulement ils prennent des risques énormes avec leurs entreprises, mais aussi avec eux-mêmes. Donc, je réitère ici mes mises en garde. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, fiez-vous aux conclusions. Mais ne cherchez pas plus loin pour l'instant. Continuez votre chemin de connaissances ésotériques, occultes, à votre rythme, selon le résultat de vos bagarres internes avec toutes les doctrines dont on a été imprégné jusqu'à présent, dont il est indéniable qu'elles sont bâties sur certaines valeurs réelles. Qui vont influencer votre vie directement. Et il est hors de question que je puisse être tenu pour responsable de quoi que ce soit dans ce domaine-ci. Donc là, tout de suite, on va encore faire une pause et je vous donne une occasion de plus de ne pas continuer la série si vous n'avez pas le niveau. Ceci dit, c'est sans prétention de ma part, je ne dis pas que je l'ai. Je ne dis rien. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. Vraiment bon courage. À bientôt. Salut.